Hello, on est donc samedi, juste la veille avant la Wamiz Run. Le temps est pas trop mal, j'espère que demain ce sera la même chose, mais je ne sors pas parce que bah, comme demain je sors déjà toute la journée, on va éviter de pénaliser les autres loulous et de sortir qu'avec Lexi parce que ça va être un peu relou et j'ai des choses à faire à la maison. Donc je pense que le vlog risque de se passer en deux parties, faire une partie exclusive Wamiz Run pour ne pas tout mélanger et que bah, ceux qui veulent voir que la Wamiz Run puissent la voir correctement et que ça fasse pas un vlog beaucoup trop long. Et donc là cette fois-ci je vais finir de faire les modifications de la déco et des affaires des loulous pour le printemps. On va tout de suite ranger tout ce qui est hivernal, Noël et compagnie puisqu'il est temps, donc je vais en profiter et puis après on va tourner une vidéo sur le reverse sneezing, donc l'éternuement inversé chez le chien qui est très courant au niveau des miens. Donc voilà pour la petite intro de cette journée. Je suis sortie le sac de transport pour mettre dans la voiture demain pour Lexi et il y en a une qui squatte dedans. Sinon là il y a les filles qui ont déjà commencé avec les jouets, donc c'est tout l'intérêt en fait, c'est que je change à chaque fois les jouets, à chaque saison, comme ça les chiens redécouvrent leurs jouets. Donc là le thème est très rose, très cœur et compagnie, puisque bon bah pour moi Saint-Valentin c'est presque printemps, c'est trop hivernal, donc tous les jouets qui sont très roses, très, très fifi, très girly, on les met pour le printemps, on redécouvre les couleurs flashy pour les loulous, donc pas mal de petites, voilà, petites déco assez rosy. Les petits cœurs et compagnie sont de sortie pour le printemps. Donc tous les petits jouets sont rangés, là on va faire l'échange des tenues, même si je ne sais plus, je crois que j'ai pas toutes les tenues de printemps, ils ne doivent pas toutes rester là, mais sinon de toute façon je vais ranger bah, toutes celles qu'on ne se sert pas en cette saison. Hop, on passe, on change de saison. Après vous avez des incontournables aussi comme Grumpy Cat ou le petit chien qui sont là-bas, ou le Lady en peluche et le Max qui eux resteront toute l'année en intemporel ici en jouet fixe. Vous voyez, bah, chaque fois, chaque chien est content de redécouvrir un jouet qu'il avait oublié. Oui, oui, oui. Là j'ai préparé mes affaires pour demain, en fait il y aura deux sacs à dos différents en fonction du temps qu'il y aura demain. Ça va la puce. Ça va les mortissous. Oups, hey. Donc en premier je vais prendre ce sac à dos qui me sert à mettre tout n'importe quoi là-dedans. Dedans je vais mettre mon blouson anti-pluie Adidas. Je sais pas si on voit. Donc mon manteau anti-pluie Adidas qui est pratique pour faire du sport si jamais il faut. Parce qu'il reste quand même assez léger. Et je l'aime pas parce qu'il est il y a du rose dessus, mais bon,
Apparemment, quand on est une fille, on va forcément mettre du rose, puisque tout ce qui est sport, moto, compagnie, c'est tout le temps du rose dessus, ça m'énerve. Ça, je vais le garder à portée de main, parce qu'il va falloir que je le porte demain, donc c'est mon t-shirt, pareil, Adidas rose. Mon leggings de sport est au lavage, donc on va le laver actuellement. Donc ça, je vais pouvoir l'avoir pour demain. J'ai aussi ma veste de survêt Adidas, toujours en rose. Mes baskets, c'est celles que je vais acheter chez Carrefour pendant les soldes que je mettrai donc demain. Donc ça, c'est mon sac à chaque fois habituel. D'ailleurs, il manque un logo, mais je ne sais plus lequel. Je sais plus. Il y a avec mon ancien logo dessus. Et donc dedans, je vais mettre, bien entendu, les papiers de Lexi avec son passeport et tout, pour prouver qu'en plus elle est à jour de vaccin, bien identifiée et compagnie, puisqu'on a fait le rappel la dernière fois. D'ailleurs, elle a toujours sa boule au niveau du corps. On va prendre forcément un indispensable quand on a un chien, les sacs à crottes. Je vais prendre, faut absolument que je pense à le mettre, c'est mon Lexi à bord de chez de 30 millions d'amis que je dois mettre sur ma voiture et que j'ai toujours pas fait. Donc ensuite j'ai pris, je vais prendre un imperméable de sport pour Lexi si jamais il faut. Bon, le trou pour le harnais correspond pas au bon endroit, mais bon, on avisera à ce moment là, en tout cas s'il pleut elle aura ce qu'il faut. Si jamais, on ne sait jamais qu'on aura cette chance, il y a trop de soleil ou quoi, elle a son petit t-shirt Adidog. Donc il est en bleu forcément parce que bah, elle lui met beaucoup de bleu. Et celui d'en gris de Lady, je ne sais pas où il est. Ensuite, on va prendre la selfie ball pour faire des photos sur place. On va aussi prendre donc le harnais Easy Sport de chez PetSafe. Donc ça, c'est celui qu'elle va porter. Là, je vais pas tout ranger tout de suite dans le sac parce que de toute façon, il faut que je monte sur Insta. Ensuite, on va prendre son ensemble de laisse et collier. Normalement pour moi, mais j'en sers aussi pour elle, donc de chez Inuko, parce que ça va être pour la partie balade en ville, parce que je vais pas lui mettre son harnais tout de suite, on lui mettra ça d'abord. On mettra le harnais à la dernière minute. Il me faut ma ceinture de canimarche avec les petites pochettes dessus et la laisse, bien entendu. Amaury, va-t'en. J'ai ma perche à selfie, mais pour le téléphone ça va pas servir à grand chose, mais on sait jamais si je veux décrocher la caméra, je me sens pas aller sinon avec le harnais, bah, ou si j'arrive pas à le mettre, bah, je pourrais me servir de ça. Donc ça on va le mettre dans le sac à dos. Autre. Ensuite j'ai pris donc son sweat Adidog, normalement c'est celui-là, c'est celui d'Amaury, mais que je mettrai quasiment jamais Amaury, donc je vais le mettre à Lexi pour qu'on soit plutôt assorti en noir. Et une médaille de couleur rouge s'il faut, on sait jamais. En rouge pour Lexi. Donc il y a ça, forcément il y a le badge, enfin le papier pour l'entrée. J'ai ressorti le sac de transport de chez Riga pour la voiture, pour qu'elle soit installée pendant la route. Donc là il y a mon harnais que j'ai pas encore du tout essayé, mon harnais pour la caméra sportive. Donc voilà, pour le poser, pour pouvoir la poser sur mon épaule, ce qui me laissera plus de champ libre. Donc il faut que j'étudie, voir comment elle s'utilise, et forcément bah demain il va falloir que je m'attache un peu les cheveux parce qu'il faut pas que la caméra soit dans mes cheveux, parce que ce serait bête, vous allez pas avoir des belles images. Et donc ouais, mon entrée. Et c'est tout, parce que je vais pas prendre, enfin moi il faut que je me prenne un sandwich, surtout pour déjeuner le matin, une bouteille d'eau pour moi, mais pas de gourde pour Lexi, parce que il y aura des canibars sur place, donc il n'y a pas de souci, juste quelques friandises sur place. Et puis c'est tout, on va pas se surcharger puisqu'il y a pas mal de choses qui seront déjà sur place. Donc on va prendre ça, faut juste que je prenne mon téléphone, mon charge, ma batterie, ma caméra qui est en train de filmer là tout de suite. Et puis à peu près tout. Donc voilà pour le résumé de ce que je vais emmener demain. Donc là faut que je monte vite fait sur Insta. Et puis ça ira bien. Plus qu'à filmer. Donc voilà, je me laisse allumer tout le temps et puis j'ai un peu calmer quand je vais me. Et en tout cas, pour une fois, ça fera Vlogception pour la Pets Week, ce sera ce partie-là dedans. En tout cas, pour une fois, j'ai de la chance parce que la partie Insta Story a fonctionné sans bug, j'ai pas eu de m'en faire une fois partout. Donc j'espère que cette petite Insta Story vous aura plu, vidéo qu'à demain, à la one time.